Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Nous sommes très ravis de vous revoir encore ce soir parce que nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur. Avant de commencer comme d'habitude, nous allons recommander ce moment spécial dans la main du Tout-Puissant. Seigneur, une fois encore, par ta grâce, tu nous as accordé le souffle de vie de venir danser pour ta gloire. C'est très grand joie pour nous ce soir d'être ici encore comme d'habitude. Je crois que quelqu'un va danser pour la seule gloire de ton nom parce que tu as fait de grandes choses dans sa vie. Merci pour ce moment spécial du début jusqu'à la fin, que le Saint-Esprit prenne le contrôle et tout ce qui va se passer ici, la gloire te revienne. Merci pour la présence de toute personne qui sera connectée à cette émission. Merci une fois encore pour tes bienfaits et ce que tu fais et ce que tu vas faire encore. Et que ton nom soit glorifié et magnifié au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, nous avons prié. Amen. Une fois encore, soyez les bienvenus. Ce soir, la régie est parmi nous. La régie, que le Seigneur vous bénisse. La régie est là ce soir. Donc ce soir, dis à ton ami, dis à tes amis que quelque chose va se passer. Nous allons danser. Dis à ton prochain, je serai dans la joie ce soir en train de danser pour notre Dieu. Nous allons... C'est une très grande joie pour moi de souhaiter Happy Birthday, joyeux anniversaire. Et vous allez m'aider à dire joyeux anniversaire à un grand homme. Un homme de Dieu. Un homme vraiment humble. Que j'aime beaucoup, le pasteur Mbala Dauphin, depuis le Bénin. C'est un homme fantastique. Que le Seigneur t'accorde plus des années de joie et des années de force de continuer toujours de travailler pour l'œuvre du Seigneur. Et nous saluons aussi Madame Poubemendi Folake. Que le Seigneur te bénisse. Nous saluons aussi notre frère Alphonse Joy. Un homme fantastique, que le Seigneur te bénisse. Ceux-là sont des gens, ce sont des personnes qui regardent cette émission, c'est des habitués de cette émission. Ils sont vraiment aptes de regarder toutes les vidéos, tous les samedis. Donc ceux-là, nous les encourageons aussi de continuer de regarder notre émission et que le Seigneur continue de faire du bien dans leur vie. Nous allons danser ce soir, il s'appelle, nous allons bénir. Il s'appelle le pasteur Elie Dim, dans Messiao, Messiao, l'envoyé de Dieu. Nous allons danser pasteur Elie Dim depuis le Bénin dans Messiao. La régie, on y va. Nous dansons. Yeah.
danser, Réveille-toi, bien danser. Je sais que toi aussi, tu es en train de danser pour la gloire de notre Seigneur. Le pasteur Élie, que le Seigneur te bénisse. C'est un homme fantastique qui a une très très belle voix et qui aime beaucoup louer son Dieu. Et je sais que toi aussi, tu dois louer Dieu. C'est une obligation. C'est pas, on ne peut pas te supplier de danser pour la gloire de Dieu. On ne peut pas te supplier de louer notre Dieu. On ne peut pas te supplier d'adorer Dieu. Notre Dieu est digne d'adoration et digne de louange. Ce soir, nous continuons toujours. Nous allons rester encore au Bénin. Il s'appelle le frère Le Copon d'ingratitude. La régie, on y va. Le thème
de la semaine dernière s'intitule « Les annonceurs du malheur ». Et nous continuons toujours ce soir avec le même thème. C'est la suite du message précédent. Les annonceurs du malheur. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre du Job. Job chapitre 1, verset 13. 13 d'abord, le verset 13 d'abord. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Ah, c'est tout, on va continuer, continuer. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Des sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alléluia, c'est bon. Nous allons, c'est une histoire triste. Les enfants de Job ont l'habitude, c'est comme une tradition chez eux. Ils se rassemblent souvent. Je ne sais pas si c'est chaque fin du mois ou chaque année. Pour manger ensemble. Passer un bon moment ensemble en famille. Chez leur grand frère. Par contre, le séjour, il y a quelqu'un qui est venu annoncer une mauvaise nouvelle à Job. Continuons la régie. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alléluia. Quelqu'un vient annoncer une nouvelle et ce dernier n'est pas encore parti. On n'a pas le temps de décortiquer. Une autre personne arrive encore, annonce une autre mauvaise nouvelle. La régie, on continue. Quel verset ? 17. 17, voilà. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Troisième messager, troisième annonceur de malheur. Il vient annoncer encore un autre malheur. Trois personnes. Trois personnes, première personne, deuxième personne, troisième personne. La régie continue du verset 18 au 20. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Ça c'est le pire. Merci la vie, que le Seigneur vous bénisse. Ça c'est le pire. En un seul instant. Pour ne pas dire dans une heure. Je ne sais pas combien d'heures ou temps. Dans 10 minutes. Quelque chose de d'intervalle de 10 minutes, quatre mauvaises nouvelles tombées sur Job. Job était tranquille chez lui. La petite, lorsque nous lisons l'histoire de Job, Job était quelqu'un qui craint Dieu. C'est pas parce que Job a commis des péchés, il a fait quelque chose à Dieu pour que Dieu le laisse. Nous connaissons son histoire. C'est quelqu'un qui craint Dieu. Mais, dans un instant, quatre mauvaises nouvelles tombent sur la tête de Job. La petite claque, Job s'est tombé par terre. Il a déchiré ses habits. Il a dit non. Pourquoi? Toutes mes richesses, c'est comme quelqu'un. En fait, tu dis voilà, tes voitures, tes camions qui sont sur la voie, surtout sur l'autoroute tout le temps, qui te ramènent de l'argent. Il y a quelque chose qui s'est arrivé et tu as perdu tous tes camions, 20 camions, 50 camions. Une autre personne arrive et dit, ta maison que tu es en train de louer partout en... Oui, ta maison que tu as l'habitude de mettre en location. Il y a un incendie qui a ravagé toutes ces maisons. Ah, une autre personne arrive et te dit, voilà, tes entreprises, tu as tout perdu.
Une autre personne avec tes enfants, ça c'est le cata. Le cata. Le cata total. Tous tes enfants ont perdu la vue. Perdu la vie dans un incendie. Les annonceurs de mauvaises nouvelles. Les annonceurs du malheur. Lorsque nous parlons des annonceurs du malheur, pas nécessairement ceux-là qui sont venus, sont mandatés pour aller annoncer ces nouvelles, ils sont mauvais, non. Mais nous parlons, c'est le diable qui est méchant, c'est lui qui envoie parfois ces nouvelles, qui fait certaines choses. Et on est obligé de venir t'annoncer, tu n'as pas le choix. Je me rappelle quand j'étais petit, j'ai un oncle qui s'appelait Valaguer, parce que maintenant il est mort, que ses yeux l'accompagnent. À chaque fois, notre oncle Valentin vient, il n'a pas encore arrivé de loin. Ma maman dit, écris déjà, Valentin, tu es encore arrivé. Je crois que tu t'es venu annoncer. c'est rigolo, mais c'est triste quand même. Parce que notre oncle, il aime venir, à chaque fois qu'il vient chez nous, c'est pour nous annoncer la mort de quelqu'un. Donc à chaque fois qu'il vient, c'est même pas encore garé, notre maman crie déjà. Valentin, tu es encore arrivé. Qui est mort encore? Donc, à chaque fois, Valentin vient chez nous. C'est quelqu'un qui est mort. Que le Seigneur t'épargne de mauvaises nouvelles. Que le Seigneur t'épargne de mauvaises nouvelles. Le diable, il est content quand quelqu'un est dans le malheur. Nous ne parlons pas de ceux-là qui viennent annoncer que quelqu'un est mort, non. Mais il y a des gens spécialement. Eux, c'est ils partagent le malheur. C'est les envoyés du Satan. Ceux-là, ils aiment que leurs proches soient dans le malheur. Nous allons danser encore. Nous allons au Congo maintenant. Il s'appelle Michel Bakenda. C'est un nouveau son qui vient de sortir dans la semaine. Il n'y a pas longtemps. Dans le calcul. La régie, nous allons danser. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Dieu, les maîtres, merci le frère Michel Bakena depuis le Congo. Il y a une expression française qui dit un malheur ne vient jamais seul. C'est un proverbe qui signifie lorsque commence à avoir des ennuis, c'est rare que d'autres ne surviennent pas. C'est une façon de parler. Lorsque un malheur t'arrive, il y a deux qui t'enchaînent. Et je vais vous donner un témoignage, c'est mon témoignage. Chacun son témoignage. Quelques années passées, je suis au travail, chez moi, je suis au travail et je m'apprêtais pour finir, pour aller chez moi. Et mon grand frère m'appelle, oui, notre maman vient de tomber et on l'a amenée à l'hôpital. Et quelques heures plus tard, un autre malheur me frappe encore, je ne dirai pas. C'est douloureux ce que je dis, mais chacun a son témoignage. Mais je voulais te dire ce soir, sois fort. Mais Job, lorsque le diable l'a frappé, tout ce que Job a perdu, Dieu lui a restitué. Ne baisse pas les bras lorsque le malheur vient et un autre enchaîne. Ne baisse pas les bras, fais comme Job. J'ai tenu fort. Après, ma maman est décédée et d'autres malheurs qui sont tombés encore. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Et le Seigneur m'a donné la force. Ne permets jamais que le diable qui veut annoncer le malheur dans ta vie ou mandater quelqu'un pour te faire du malheur, soit fort plus que toi. Montre que je suis fort plus que toi. Parce que lorsque le diable fabrique son projet du malheur, c'est une mauvaise nouvelle. Nous avons à côté une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et le malheur ne vient pas tout seul. Mais moi, je veux te dire, lorsqu'un malheur vient, lorsque le bonheur vient, il ne vient pas tout seul. Il y a d'autres bonheurs qui se préparent à côté, qui se suivent. Que le Seigneur vous bénisse. C'est très grand joie de partager ce moment avec vous. N'oublie pas de donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir. Donne ta vie à Jésus. Lorsque le malheur peut tomber, mais sois fort. Ils te feront la guerre. Ils te vaincront point. Car celui qui est en toi, il est plus fort. Tu as une bonne nouvelle en toi. Permets à cette bonne nouvelle de chasser les mauvaises nouvelles. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Alléluia. Que le Seigneur continue de vous garder, de vous protéger. Nous sommes au dernier moment. Préparons-nous. Car le voleur rôde. Le voleur rôde. Il est comme un lion, il rôde. Mais notre Dieu, à qui on fait confiance, ne nous délaissera jamais. Thank you for watching this program again. May God still bless you, see you next week. Que le Seigneur continue de vous bénir. M'attendons-nous. God bless you. God bless you. Jésus, ton ami. Je vais dire ça en plusieurs langues, parce que notre Dieu, il est merveilleux. La semaine prochaine, on se retrouve encore ici par la grâce de Dieu. Sois béni chez toi. Ciao.